Par ici ! Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Bienvenue dans la ville René Luchet. Continuez jusqu'au centre de distribution. Je fais que passer. Ça faisait un bout de temps, Sam. Contente de vous voir. Vous vous souvenez de comment on fait ? Vous devez fermer les yeux et visualiser votre destination. Thank you.
Cette arme à feu peut accueillir des balles hématiques. Et elle est munie d'un viseur point rouge. Précision garantie. Le canon collant est une arme qui a pour munition des projectiles adhésifs. L'arme et le projectile sont reliés par un câble qui, lorsque vous l'activez, ramène votre cible jusqu'à vous. Ce câble a une résistance accrue. Il vous permettra de tirer plusieurs dizaines de kilos. Vous pourrez récupérer une marchandise à distance. Et peut-être même carrément sous le nez d'une mule. Vous êtes plutôt futé, alors... Vous trouverez certainement d'autres façons de le mettre à profit. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Pour mémoire, Sam, quand vous portez des armes létales, il est particulièrement crucial de faire preuve de retenue. Inutile de vous le rappeler, mais il n'est pas question de tuer qui que ce soit. Plus de cadavres, ça voudrait dire qu'il y aurait plus d'échoués et potentiellement plus de néantisation. Si vous tuiez quelqu'un, non seulement vous risqueriez votre vie, mais aussi celle d'un nombre incalculable de personnes. Thank you.
coup. Sam Bridges, la fameuse expédition à lui tout seul. On a beau être coupé du monde, les infos circulent. On sait tout sur le super livreur, le chasseur d'échoué, l'antiterroriste. Faut encore que je travaille le dernier. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous? Waouh, incroyable! Ça va tellement nous aider. Merci. Quand on aura fini, vous reconnaîtrez plus la station. Très bien. Il ne reste plus qu'à nous connecter au réseau. Ah vrai ? C'est bien trop de temps naufragé sur une île déserte. J'ai hâte de reprendre contact avec tout le monde au siège. Il va falloir du boulot pour remettre cet endroit en état. Mais je suis remonté à bloc, plus que jamais. On laissera pas tomber notre pays. Merci, Sam. Et bonne chance. Enfin, vous n'en aurez pas besoin. Vous serez sur la côte ouest en un rien de temps. Beau boulot, Sam. Ensuite, il va falloir étendre le réseau jusqu'au centre de distrib au nord de la ville. Et le moment est parfaitement bien choisi pour y aller. Ils viennent justement d'envoyer un SOS. Les infos arrivent au compte-gouttes, donc on ne sait pas tout, mais apparemment, il y a eu un accident, et des blessés ont besoin d'aide. Pour en savoir plus, consultez le terminal. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Thank you.
C'est bon, on continue. On y va, allez. Ça, c'est une armure pour vos épaules et vos jambes. Mais il y a un gros inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas porter de marchandises par-dessus. Ce sera à vous de peser le pour et le contre. Surtout n'oubliez pas, Sam. Quand l'horloge tourne, c'est avant tout la vitesse qui compte. Passez votre équipement en revue et ne prenez seulement que le nécessaire pour rejoindre votre destination au plus vite. Thank you.
Je vois quelque chose. Bon. On va s'asseoir ici une minute. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Merci beaucoup. Notre équipe médicale devrait pouvoir leur mettre d'aplomb sans problème. Vous sauvez des vies. Vous avez été d'une telle rapidité. Eh, faites attention à vous. Ce serait dommage de perdre quelqu'un d'aussi doué.
Vraiment. J'ai entendu dire que le réseau Kiral se mettait en place. Vous croyez que le signal est assez puissant pour arriver ici? Oh, j'espère. On essaie. Higgs et ses hommes sont arrivés. Ils ont atteint la ville relais frontière. Je ne peux plus m'enfuir maintenant. Tout le monde a été tué, il ne reste plus que des ruines. Il y a des échoués partout, c'est cauchemardesque. Comment leur échapper? Où est passé ton kippo? Heureusement, j'ai réussi à m'éclipser pour te contacter. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, toi et moi. Je voulais simplement que tu saches que je vais bien. Pour l'instant. Promets-moi que tu continueras à bâtir le réseau Kiral. C'est notre seul espoir pour l'avenir. Et mon seul espoir de retrouver ma liberté. Et quand tu auras terminé, on pourra retourner dans l'Est ensemble. Amélie, ton kippo, où est-ce qu'il est? Sam, j'attendrai que tu viennes sur la grève.
dernier modèle de notre gamme de grenades EX, je vous présente la numéro 2. Après vos urines, vos selles. Ce modèle contient en effet divers composants raffinés extraits de vos excréments. Nous pensons que votre consommation régulière de cryptobiotes fait que vous excrétez des composants particulièrement efficaces contre les échoués. Si vous souhaitez qu'on en produise davantage, il faudra nous fournir les matières premières nécessaires via les toilettes de votre chambre privée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Sam, j'ai de nouvelles informations qui vont vous intéresser. J'ai pu les récupérer grâce à vos efforts pour étendre le réseau chiral. C'est à propos de... à propos des bébés. Attention, soyons clairs, j'ai déniché ça de mon côté. Personne ne m'a demandé de creuser. Et si jamais on vous pose la question, mettez tout sur mon dos. Je ne veux surtout pas que ça vous retombe dessus. Vous m'écoutiez simplement radoter sur le réseau, c'est compris ? Enfin bref. Apparemment, la technologie des bébés n'a pas été inventée par Bridges, mais par un groupe de séparatistes. Des terroristes opposés à l'expansion des UCA, d'après ce que j'ai trouvé. Ils ont commencé à les utiliser il y a environ 3 ans. Exactement au moment où Bridges 1 commençait à planifier son expédition dans l'Ouest. Ces séparatistes avaient, semble-t-il, eux aussi des problèmes avec les échoués. Et à l'époque, ils se sont dit que s'ils arrivaient à les localiser, ils pourraient les mettre sur notre chemin. Quand Bridges a eu vent de toutes ces manigances, ils ont décidé de combattre le mal par le mal. Dans cette optique, ils se sont servis des bébés comme contre-mesure. Il est tout à fait envisageable que le vôtre ait été mis en service dans ce but précis. Un fait que quelqu'un semble avoir essayé de cacher, à en juger par l'absence de rapport de service du bébé 28. J'ai toujours trouvé étrange qu'on soit si enclin à exploiter une technologie qu'on comprend à peine, et pour cause. Maintenant, on sait pourquoi. Depuis le début, on se contente de copier des méthodes et des techniques employées par d'autres. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ça concerne les premières expériences sur les brises-brouillards. Si on en croit le peu d'informations que j'ai pu réunir, il semblerait qu'elles aient débuté au même moment où le Death Stranding s'est produit. Elles avaient lieu sur l'île de Manhattan, sur la côte est des États-Unis de l'époque. Une île qui a été intégralement rayée de la carte suite à une énorme explosion, certainement une néantisation. À l'époque, le gouvernement américain approuvait entièrement ces expériences, il allait même jusqu'à les financer. Ce n'est qu'une théorie, mais, à mon avis, le programme Bébé a vu le jour dans un effort des équipes scientifiques pour faire toute la lumière sur la nature du Death Stranding. Bien que leurs intentions étaient louables pour des raisons d'éthique et de sécurité, l'opinion publique s'est fermement opposée au projet. Mais les chercheurs ont refusé de baisser les bras. Et dans leur empressement de trouver des explications à la plus grande catastrophe de leur temps, je crois qu'ils en ont provoqué une autre. Un point non négligeable dans cette histoire, le président lui-même a été tué dans l'explosion. C'est seulement après sa mort, quand la vice-présidente Strand lui a succédé à la tête du pays, qu'un décret officiel a mis un point final à toutes ces expériences. Les documents ont été détruits, les installations abandonnées, et tout a été mis en œuvre pour faire croire que la technologie des bébés n'avait jamais vu le jour. Ce qui m'amène à me demander comment un groupe de séparatistes sortis de nulle part a pu déterrer cette technologie des dizaines d'années plus tard. Je vous fais signe si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. Sam, consultez le terminal et passez la liste de commandes en revue. Les habitants de la ville relais des montagnes ont un problème bien plus urgent à régler. Apparemment, une substance ressemblant à de la poix remonte du sol dans le coin. Les habitants en signalent de plus en plus un peu partout, et si on ne fait rien, elle atteindra la ville sous peu. D'ailleurs, des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose, sinon toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poix en un rien de temps. Il y a une commande du relais des montagnes. Vous trouverez tous les détails sur le terminal. Thank you.
Attention, Sam. Le boîtier de cette bombe antimatière n'a pas été conçu pour le transport sur de longues distances. Les pièges magnétiques qui isolent l'antimatière sont très fragiles. Un impact puissant, une conduite brutale, un transporteur mal équilibré, autant de raisons qui pourraient faire céder les pièges. La moindre anomalie détectée dans le boîtier devrait déclencher une alarme. Si elle sonne, c'est que vous vous y prenez mal. Et si la bombe explose, on aura une catastrophe sur les bras. Du genre dont on ne se remet jamais. Commande attribuée.
S'asseoir ici une minute et méditer.
Bon. On va s'asseoir ici une minute. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Marchant de décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Livraison terminée. Affichage de l'évaluation de performance. Le réseau que vous vous évertuez à étendre transporte de belles saletés.
Le genre de truc que tout le monde fuit à toutes jambes. Vous l'avez toujours pas compris depuis tout ce temps? On n'en veut pas, nous, de votre réseau chiral. Et on veut pas des UCA non plus. Cette voix, c'est vous, maman? Hein, vous avez pris un coup sur la tête? Je suis pas votre mère, et de toute façon, on peut pas dire que vous en ayez une. Bon, ça va. C'est rigolé, maman. Je crois qu'on s'est pas bien compris, vous et moi. Les habitants de la ville relais des montagnes vous disent à vous et aux UCA d'aller vous faire voir ailleurs. Si vous continuez ce que vous avez commencé à faire, vous allez tous nous remettre en route pour un Death Stranding. On vous a pas demandé de venir jusqu'ici nous dire comment mener notre vie. On en décidera nous-mêmes si ça vous dérange pas trop. Tout ce qu'on attend de vous, c'est une livraison de marchandises de temps en temps. Rien de plus, rien de moins. Alors vous parlez pour toute la ville? Tout à fait. C'est moi la responsable. Mon nom est Lochne. Lochne? Attendez, il faut que je vous parle. Vous êtes technicienne, c'est ça? Écoutez, rentrez chez vous et ne revenez plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Eh ben nous, on n'en a pas besoin de la vôtre, Bridges. Tout ce que vous faites, c'est empirer les choses. Désolé que vous ayez dû subir ça, Sam. C'est elle la patronne dans le coin. Et elle n'a pas peur de dicter sa loi. On a besoin de les intégrer, elle et les siens. On a déjà perdu beaucoup trop de gens comme ça. Si on ne connecte pas la ville relais des montagnes, le réseau chiral et les UCA ne seront jamais achevés. Et maintenant? Eh bien, en fait... Sam, Lochne est la sœur jumelle de Mama. Ex-Bridges 1, elle est allée dans l'Ouest avec les autres. Deuxième groupe, tout comme Mama. Mama n'est pas son vrai nom, évidemment. En fait, c'est Malingen. Elles ont toutes les deux le Dooms et sont toutes deux des scientifiques de génie. Le domaine d'expertise principal de Mama est la physique appliquée. Celui de Lochne, la physique théorique. Mama est celle qui a conçu le hardware du Cupidon. Et Lochne, son software. Elle disait pouvoir communiquer à n'importe quelle distance. Qu'un lien particulier le leur permettait. J'ignore comment c'est possible, mais il y a une chose dont je suis sûr. Sans elle, le réseau chiral n'aurait jamais vu le jour. Elles étaient si proches que certains disaient qu'il s'agissait d'une seule personne dans deux corps différents. C'est peut-être ça qui leur a permis de développer le Cupidon. Mais après l'accident de Malingen, elles se sont disputées. Lochne a quitté Bridges et a coupé tout contact avec nous. J'ignore ce qui s'est passé entre elles. Mais si on n'arrive pas à retrouver Lochne au plus vite, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique pour de bon. Je ne veux pas vous demander de mettre le nez dans leurs affaires, c'est personnel. Mais peut-être que ça nous permettrait de trouver un moyen de convaincre Lochne de nous rejoindre. Ce qui serait fantastique. Parce que sans elle, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique. En attendant, si jamais il vous vient une idée de génie, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Beau travail. Sam Porter Bridges.
voyage.
de l'identifiant Bridger. Identifiant Fragile Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Les sources chaudes. C'est l'heure de la pause. C'est la belle vie.
avez réussi. Vous m'avez rendu un fier service. Je le pense, sincèrement. Il paraît que c'est à vous qu'il faut s'adresser pour le réseau Kiral. C'est vrai qu'avec un contrat, je pourrais accéder à vos plans et à tout le reste. Je veux que tout le monde puisse profiter de mes recherches. Les lire, en tirer des connaissances, comme je l'ai fait de mon côté. Intégrez-moi aux UCA. Dans le même bateau, Sam. J'adorerais vous faire visiter, mais il règne un tel désordre ici. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Squelette actif construit par la roboticienne. Il sera utile en montagne et sur les routes en mauvais état.
interdiction des armes. Désolé. Sérieusement, quel est votre secret? Et ne me dites pas que c'est l'amour et la bienveillance. Enfin, il n'y a pas la moindre égratignure. C'est incroyable! Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Voyez ça comme un gage de ma gratitude.
Bonne chance. Et prenez soin de vous. À ça que ressemblait le monde il y a des centaines de millions d'années. Ascension. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identité. Lancement du scan. Faites bon voyage. Sam, vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délieur. Je vous explique.
Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... boum! Ça explose. Mais... comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échoué. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupent cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Coupez le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et l'ocneu a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de genre... je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir... de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé... on a pris un des ovules de l'ocneu et on l'a fécondé avec le sperme congelé du cas. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et... notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. Locke ne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le.
Sam. Vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière, la caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. C'est parti, Sam. En route. Hmm.